prière. Mais vous devez vivre votre foi. Que le prophète soit là ou pas, vivez votre foi. Comprenez? Vivez votre foi. Vous devez compter sur Dieu. C'est vrai, même si je suis celui que Dieu utilise, mais c'est lui qui m'utilise. Mais si je ne suis pas là, il n'est pas limité. Dieu est le souverain. Il peut utiliser n'importe qui pour vous guérir et pour vous restaurer. Hein? Voilà, donc ne perdez pas espoir si le prophète ne vous a pas reçu dans le bureau. Par moment, les gens ils se fâchent, mais c'est trop charnel. Or, quand vous venez ici, vous devez être spirituel. Voilà, vous devez être spirituel. Vous devez comprendre que quand vous priez, Dieu vous écoute. Voilà. Même si le prophète ne vous a pas reçu, je vais vous recevoir là. Ça change quoi? On va peut-être parler. Mais c'est la réponse de Dieu que je vais vous donner. Vous comprenez? Et puis, mon programme fait que je ne peux pas avoir, je n'ai même pas maintenant le temps de vous recevoir tout le monde. Vous voyez? Par vos prières, Dieu permet aujourd'hui que je rencontre des personnalités. Et ça, c'est déjà bon. Si je suis en contact avec les femmes des présidents dans la cour, le palais présidentiel, je pourrais parler de Jésus. Tout ça, c'est important, ça m'ouvre beaucoup de portes. Mais en même temps, vous devez comprendre que quand vous êtes ici, c'est Dieu qui doit vous délivrer. Ce n'est pas le prophète Crasso. Certainement, il passera par moi. Mais sans moi, il peut encore vous guérir. Il peut encore vous délivrer. On m'a bien saisi. J'ai un monsieur qui était... Il est parti. Vous venez d'où? On vient d'Abidjan. Mais lui, il vient de Bido. Ce qu'il a dit là, tu as bien compris. Ici, on ne force personne. Voilà. Maintenant, celui, demandez à la dame là, où elle est? Elle est délivrée maintenant, où elle est? Elle a discuté, elle a versé une ciel. Ta femme est délivrée là, assis là. Elle discutait, elle dit, mettez-lui là sur moi. Bouille des sorciers. Mettez-lui là sur moi, mettez-lui là sur moi. Maintenant, ça a chauffé, elle est venue. Dieu est bon, elle a eu pitié de ton mari. Tu as commencé à gratter tes cheveux, à enlever tes cheveux. On ne peut pas défier Dieu. Hein? Pourquoi vous voulez forcément défier Dieu? Vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Il y a une révélation. Soumettez-vous à ça et puis cherchez à vous faire délivrer. Ça fait quoi, sorcellerie? Tu es sorcier. Et puis on te délivre. Amen. Essayez-vous un peu. Je vais parler un peu aux sorciers. Viens, toi, sorcier. Viens. C'est pas toi. Pour maîtriser ta maman, je suis en train de parler. Deux personnes ne peuvent pas parler à la fois. Ça va? Madame, prenez-la. Je suis en train de faire la prière. Allez-y, madame. Pour tout le respect qu'il y a pour toi, il faut me respecter aussi. Quand je parle ici, respectez ça, c'est important. Il faut l'essayer de régler ça tout à l'heure. La mettre là. Ça va? On dit quoi? Qui l'a envoyé? Tu es venu avec qui? Non, toi là, vraiment. C'est un conteneur de sorcier. Sorcier que je parle. C'est un conteneur. Hein? C'est sorcier. Ça, ces gens allaient manger, hein? Ils allaient braiser à Kéké, foutu au berger, sauce au berger. Tu es sorcier? Oui, papa. Tu as fait quoi? Il a gâté la vie de la grande soeur de ma maman. Et sa maman est où? Elle a abusé. C'est ta femme aussi? C'est une camarade. Hein? Hein? Là, tu passes, hein, attention derrière. Tiens, passer, hein. Tu as fait quoi? Il a gâté sa vie. Tu as fait. Tu expliques. Tu as tué. Non. Je l'ai rendu toc toc. Elle sort de garçon en garçon. Hein? Elle,
elle sort de garçon en garçon. Elle n'est pas toc-toc, faut dire j'ai rendu prostituée. Prostituée. Toc-toc là, c'est pas tout. Toc-toc, c'est quand tu manges dans la poubelle. Toc-toc. Vous voyez, non? C'est pour dire, par moment, la vie de certaines personnes devient bizarre parce que la sorcellerie vous impose des sales vies. Elle a rendu une fille prostituée avec sa sorcellerie. Comment tu as fait? Elle dormait. Et puis j'ai dit son nom trois fois. Donc j'ai pris son âme pour partir de notre au royaume de la sorcellerie. Donc il a lâché sur son visage. Et puis j'ai pris. Tu as pété. Ça c'est un pet dangereux. Hein? Nyanfro, c'est ça, non? Un nyanfro dangereux. Tu as pété. Papa. C'était pourquoi? Parce... Ami de sorcier, il y a problème dedans. Pété, il y a problème dedans. Et sorcier. Comment tu as fait? Il s'est abaissé. Hein? Il s'est abaissé. Lâché son visage. Comment tu as fait? Il s'est abaissé. Il t'a abaissé. Papa. Il t'a fait quoi? J'ai lâché son visage. T'as lâché son visage. Papa. Donc ça l'a rendu bizarre. Et puis quand j'ai fini de lâcher son visage, j'ai commencé à parler. Ah, quand tu as lâché son visage, tu as parlé, tu as dit quoi? J'ai dit, ah que. Toi, tantis, tu vas sauter de garçon en garçon, tu vas se moquer. Hein? Tu vas se moquer, laisser-les laisser passer. Ça veut dire quoi? Elle va se moquer. Prostitueuse. Moquer. Moquer, ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai, c'est le jargon. Ça veut dire les prostitueuses, c'est une fille là, qui ne veut pas vous suivre. Il sort les garçons. Les garçons en garçon. Bon, c'est le jargon, il va rien. Tu as fait quoi encore? Il a tué. Tu as tué combien? Deux personnes. Qui est qui? La petite soeur de mon grand-père. La petite soeur de ton grand-père? Papa. Et quoi? Et puis il a tué. La rivale, le fils de la rivale de ma tante. La grande soeur de ma maman. Comment tu l'as tué? Je l'ai fait. Il a eu mal à la tête. Tu as mangé ça après? Oui, papa. Comment tu as tué la rivale? Comment? Son fils, j'ai pris. Je me suis transformé en serpent. Donc, il tombait et puis ça allait chez eux à la maison. Donc, j'ai pris. Donc, je suis entouré sur son cou. Et puis, j'ai. Tu t'es entouré sur son cou? Oui, papa. Et puis, je n'arrivais pas. Donc, et s'y détacher et puis elle dit que toi là avant que tu vas mourir ta tête va te faire mal jusqu'à tu vas mourir et puis je lui ai donné 4 jours. Tu as donné 4 jours? Papa. Et tu l'as tué? Papa. Et puis il est mort? Oui, papa. Tu l'avais mangé? Oui, papa. Toi t'as mangé quelle partie? Oui, j'ai bu le sang avec la tête. Tu as bu le sang? Oui, papa, avec tu la tête. Tu as mangé la tête. Ça veut dire quoi? Je vais t'écouter, ça veut dire quoi? Tu as fait quoi d'autre encore? Et j'ai gâté. J'ai gâté. Stop! Qui te fait pleurer? J'ai gâté le frère. Alors, stop. Qui te fait pleurer? On t'a forcé à parler? Mais tu pleures pourquoi? Je ne vais pas perdre mon temps. Tu pleures pourquoi? Et Dom a raison. C'est pourquoi tu pleures? C'est les gens qui entendent les aveux qui doivent pleurer. Toi, tu as déjà gâté. Maintenant, tu pleures pourquoi? Tu voulais jouer une comédie ou bien? Tu tues les gens, tu es là, tu pleures. Tu lâches le visage des gens.
Mais c'est pas bon. Pour toi, là, tu fais pour toi sorcellerie. Explique-nous. Pourquoi tu pleures? Tu pleurais pourquoi? Hein? Oui. De rien. Donc tu voulais jouer la comédie. On t'écoute. J'ai gâté le foyer de ma console. Où elle est? Père Rachel. Elle est où? Elle a Bobo Kennedy. Comment t'as gâté son foyer? Quand elle prépare la sauce, je verse toujours des grains de sable dedans. Hein? Donc, je verse toujours des grains de sable dans sa sauce. Elle prépare sauce? Oui. Puis tu fais quoi? Quand elle prépare la nourriture du soir ou même midi, je verse toujours le grain de sable dans la sauce. Donc son mari trouve que c'est pas doux. Donc chaque jour, il a eu par là. Chaque qui sort, il vient, il y a par là. Chaque qui sort, il vient. Explique-moi. Tu l'as séparé de son mari parce que tu as fait quoi? Je t'écoute. Je suis en train de t'écouter. Elle n'a rien fait. Non, tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour la séparer? Tu disais que tu as fait quoi? J'avais mis. Quand elle prépare la sauce du soir au midi, je mets toujours du sable de grain de sable dans la sauce. Grain de sable dans la sauce, oui. Donc son mari quitte au travail, il vient. Il trouve que la sauce n'est pas douce. Charles, il trouve que la sauce n'est pas douce. Donc il quitte au travail, il vient. Il mange pas à la maison. Donc ma grand-sœur lui demande. Papa. Donc ma grand-sœur lui demande. Et puis. Charles, il fait discours à ma grand-sœur. Et ça, ma grand-sœur, elle est fatiguée. Fait froid, il s'est passé. Mais la soie, c'est où? Puis tu viens mettre le sable? Au feu. Au feu. Mais pourquoi tout ça? Et donc, tu les as séparés. Vraiment. Souvent, il y a des aveux qu'on écoute même. Nous-mêmes, ça nous décourage. Tu viens jouer une sauce et tu mets le sable. Tout ce qui est du manges là, tu en es dedans. Et on trouve que la sauce n'est pas douce. Et puis tu fais palabre. Et le sauce, il aime manger. Hein? Et tu as gâté qui encore? Et j'ai gâté. L'argent de mon papa. Allume son arrière là, tout le monde gâte ça. T'as fait quoi d'autre? Et j'ai gâté la vie de mon cousin, il s'appelle Dominique. Tu as tout. Tout village de sorcellerie, toutes les confréries chez toi. Maintenant, tu veux quoi? Papa, je veux le monsieur là, il crache, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, le là. Allez, allez, régler ça. Tu veux qu'on va oublier qu'on régler? Papa, je veux que tu m'aides à me délivrer. Je veux ma délivrance, papa. Pourquoi tu veux délivrance? Parce que je vais quitter ton cette sorcellerie. Là-bas, tu manges bien, non? Et la fille qui t'a rendu prostituée, elle est où? Elle est au village. Donc, elle va de garçon en garçon. C'est ça? Papa. Elle ne sait pas que c'est toi qui as fait ça. Quitte sa vie.
puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Esprit de la sorcellerie. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance. C'est pour qui l'enfant là? Je sens l'esprit de dragon en lui. Vous êtes là depuis quand? À compter d'aujourd'hui, on va le mettre sous jeûne de 3 jours sans manger. Il a bien mangé ce matin. Il ne mange pas aujourd'hui. Il ne mangera pas demain, mercredi, jeudi matin. Chasser cet esprit. Lève-toi. Laisse. Tu veux laisser la sorcellerie? Esprit de la sorcellerie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Libère-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas la voir. Hein, j'ai marié la petite là. Ce qu'elle va te montrer. Elle lâche même ça, tu disais déjà. On attend trop de choses ici. Lâche-la. Lâche-la, au nom de Jésus. Tu la libères par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Quitte sa vie! Libère-la. Libère-la. Allez. Sors de sa vie. Sors. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Pas. Pas. Sors. Va-t'en. Au nom de Jésus. Tu la libères maintenant. La libère et maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Va-t'en! Va-t'en! Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Tu libères son âme et tu libères sa vie par la puissance
qui est dans le nom de Jésus. Libère sa vie. Va-t'en. 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 Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus, tu vas partir. Lâche-la. Allez, va-t'en. Va. Va. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Quitte sa vie au nom de Jésus. 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 La vieille filation t'a vu aussi? Venez, venez. Non, ne règle pas ça comme tu es en train de régler. De toute façon, on va prier pour toi. T'as compris? Hein? Ne soyez pas violent. Soyez beaucoup amour, c'est important. Avec la violence, les gens sont victimes. Vous voyez, ils sont victimes de quelque chose, la sorcellerie. Quand vous les violentez, ce n'est pas bon. Il faut aller beaucoup d'amour et de l'envie de pouvoir aider. C'est beaucoup important. Il faut toujours aider les gens, quelle que soit leur sorcellerie. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la. Tu pars maintenant de son corps. Tu dégages dans le nom de Jésus-Christ. Libère-la. Libère-la, au nom de Jésus. Tu es sorcière? Hein? Je suis pas en train de sourire à toi. Moi, un peu de sorcellerie, là. C'est beaucoup de sérieux, je dirais que ça. Tu me parles posément, pas avec un sourire. Je ne suis pas ton mari, je suis tant. Il faut parler beaucoup de sérieux. Le sujet de sorcellerie, ce n'est pas un sujet qui fait sourire les gens. Voilà. Donc, si on veut aborder ce sujet-là, il faut laisser toutes sortes d'amusement. Voilà. C'est un sujet qui est très, très, très sérieux. Tu es sorcière? Hein? Comment tu t'appelles? Village. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est ma grosse Estelle. Elle est où? Sorcière, je n'allais pas te laisser venir. J'allais te laisser là. Donc, le français que tu entends d'aborder là, il faut aller doucement. J'étais d'abord regardé et j'ai vu que tu es sorcier sur ça, je t'ai laissé venir. Sinon, j'allais dire tu mensiers. Donc, c'est ça qui est demandé. Tu veux qu'on te fasse quoi? On a qu'à te faire quoi? Hé, je ne suis pas ton camarade, je te pose une question. Tu veux qu'on fasse quoi? On a qu'à te délivrer. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Jésus veut la délivrer. Tu es sorcière. Comment est-ce que tu as donné la sorcellerie? C'était une soeur qui dormait. Et puis elle me réveille. Elle m'a coupé une attaque. Elle m'a coupé. Et puis quelqu'un de moi est sorcière. Là-bas, elle est noire. Le sang est bien rouge. Et bien, elle m'a donné le cœur, le sang.
elle est déboyée, elle m'a dit de manger et puis elle buvait ça. Et puis elle dit qu'elle avait poil. Elle avait poil, actuellement il y a crédit si elle n'avait pas qu'elle avait poil. Ah, tu lui dois quoi? Elle avait deux personnes. Elle envoie deux personnes. Et tu n'as pas envoyé. Mmh. Pourquoi? C'est peut-être une nouvelle. Mmh? C'est une nouvelle. Mes nouvelles, tu ne prends pas viande. Tu lui dois. Elle t'a bien nourri. Donc, elle dit de payer pour elle. Maintenant, tu dis quoi? Tu as payé. Tu as donné. Donc, on dit de donner pour elle. Et c'est quand tu as donné? C'est quel jour tu as donné? C'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre qui vient là. Tu as tué qui? C'est qui tu as visé? Tu allais donner qui? J'allais donner. Celle-là, elle est toi soin, non? Vous êtes dans le même groupe? Vous êtes dans le même groupe? Comment tu fais pour toi? Pas où on est ensemble? On est ensemble. Vous voyez là-bas? Vous voyez là-bas? Oui. Donc tu peux la manger. Tu peux lui manger. Non, je suis pas en train de sourire. Hey. Je suis pas en train de sourire avec toi. Tu voulais quoi toi? Tu veux être délivré. Hein? Toi tu es sorcier ou pas? Je suis une sorcière. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux la délivrance. On a besoin de t'entendre. J'ai été initiée par la femme de mon papa. J'ai tué 8 personnes. J'ai programmé 5 personnes. J'ai gâté la vie de 3 personnes. Qui est qui? J'ai programmé ma grande soeur Patricia le 30 novembre, le jour de mon anniversaire. Mmh. Donc, anniversaire, la cérémonie, c'est bien d'anniversaire. Mets-toi ici. Mmh. Vous passez dans la rue, où les petites filles, là, pardonnez. Hein. Vous leur demandez les numéros, là. T'as quel numéro? Je suis mou. No limit. Tu vas rendre témoignage. Faut appeler la petite, tu vas rendre témoignage. Mm-hmm. J'ai programmé ma grande soeur Rachel. Elle c'est qui? Elle n'est pas ici. Mm-hmm. Ce sont 8 personnes. 5 personnes. Ah, 5 personnes, ok. Tu as tué combien? 8 personnes. Ah, 8 personnes. Tu as programmé Rachel. Qui d'autre? J'ai programmé ma maman. Tu vas aller? Non, si, merci. Mais ta maman, elle est même diable. T'as programmé qui encore? J'ai programmé aussi mon papa. Oui, ton papa, lui, on le programme toujours. Qui encore? Et ma grande soeur Solange. Où est Solange? Merci. Où est Solange? Non, si, merci. Solange, oui. C'est les 5 personnes. Et quels sont les dégâts que tu as fait? Tu as gâté qui est qui? J'ai gâté la vie de ma grande soeur. En la rendant prostituée. Qui? Un imbécile, ça va gâter. Donc vous avez ce don là de rendre prostituée les gens. Avec chaque garçon. Quand elle est garçon, elle ne roule pas avec elle, elle la personne. Toi qui gâtes, tu t'arranges comment? Je m'arrange, je passe par ce monsieur. Hein? Je passe par son mari. Je me fais passer par son copain. Mm-hmm. Et puis, bon, si elle fait un enfant avec elle, si elle. Bon, précisément, je suis son mari. Si elle fait un garçon, si elle fait un enfant avec elle, je la laisse. Et puis, elle me fait passer par l'autre. Je n'ai pas compris. Tu as compris ce qu'elle a dit? Faut essayer d'expliquer. Tu fais des enfants. Qu'est-ce qu'elle dit? Je dis que ma grande soeur, son mari, là, son copain, là, il rentre dans lui. Et puis quand elle finit de faire enfant, elle quitte là-bas. Elle, le monsieur. Elle a. Mm-hmm. Quand elle finit de faire enfant, le monsieur, il quitte là-bas, il met dans l'autre. Et tu as fait quoi encore? J'ai fait avorter ma grande soeur, j'ai mis les bouteilles dans son ventre pour ne pas qu'elle ait faim. Comment? Je l'ai fait avorter et j'ai mis les bouteilles dans son ventre pour ne pas qu'elle ait faim. Comment tu t'arranges avec la bouteille?
dans le ventre. C'est dans le monde, la sorcière. J'ai amené son âme là-bas. Oui, et puis comment tu t'arranges? Quand j'ai amené son âme là-bas, j'ai écrasé mes escamants. Et puis, je l'ai purgé avec. Ah, purgé là-bas. Et tu as fait quoi d'autre? Dans le monde de la sorcellerie, quand on voit on tue les gens pour venir, on prend la première fois de mon papa pour toi, tu fais quoi? Toi, c'est toi qui es en train de parler. Quand je tue l'homme pour venir, quand je tue les gens pour venir, et puis quand on finit les tuer, on veut les docteur pour les préparer. Mm-hmm. On prend la première fois de mon papa, on prend ses pieds pour docteur nos viandes. Elle est où? Elle est aussi. Là. Quand toutes tes femmes sont là. Venez, madame. Mamie. Ça va, maman? Tu fais comment? Quand on finit de tuer, on la fait coucher, on la prend comme du bois. On prend ses pieds comme bois. J'espère que tu n'as pas déçu. C'est pour gagner quoi? La pauvre maman, elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? C'est la femme ou pas qui nous a dit qu'elle a fait ça passer. Elle voulait que vous parlez à l'aise. Donc elle dit encore, bon, si on finit de faire ça, on l'a tuée. C'est ce qu'elle a dit. Pour que mon père enlève ses yeux, si elle. Ta délivrance ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ta délivrance de ton âme. Ta délivrance de ton âme. Jésus. Ta puissance de Dieu. Comme! Quitte son âme et libère-la au nom de Jésus. Quitte son corps au nom de Jésus. Je te chasse, puissante de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. C'est un esprit qui la pousse à commettre, pratiquer la sorcellerie. Si l'esprit vient se détacher de son âme, elle est libérée, elle devient une personne normale comme nous. Sinon, présentement, elle constitue comme un danger. Elle est dangereuse parce que l'élément qu'on appelle sorcellerie est en elle. Et c'est ce qu'ils sont en train de chasser maintenant. Parce qu'il ne faut pas se limiter seulement aux aveux qu'elle parle. Mais ça ne résout pas le problème. Mais c'est vraiment un grand pas pour la délivrance. Déjà, le fait qu'elle avoue publiquement qu'elle a fait telle chose, ça affaiblit déjà l'esprit. Parce que le pas qu'ils tissent là-bas, ce qu'ils font dans le royaume de la sorcellerie, ils ne doivent pas le dire. Donc le fait même déjà d'avouer favorise déjà la délivrance. C'est pour ça que vous allez voir les sorciers au village. Ils ne parlent pas, mais le jour qu'il va mourir, il va confesser. Il fait des aveux, parce qu'il ne meurt pas avec ça.
il confesse avant de mourir. C'est ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens, à partir du verset 4, surtout le verset 6, il a diversité d'opérations, c'est-à-dire diversité de manières d'agir. Amen. Alléluia. C'est cela que priez pour que Dieu vous donne une onction. Ne soyez pas limité dans la manifestation de la puissance de Dieu. Je vous disais la dernière fois, il y avait quelqu'un qu'on appelle Balaam. Lui, son ministère, le don qu'il avait, c'était de maudire les gens. Il y avait un ministère dans la Bible de malédiction. Quelqu'un qui maudissait, c'était son ministère à lui. Donc, Dieu, la Bible qui a diversité de dons. Quand tu ne comprends pas quelque chose, il ne faut pas condamner. Mais nous le faisons au nom de Jésus. Ah oui, parce que c'est ce nom-là qui est puissant, qui est au-dessus de tous les noms. C'est pour ça qu'il a dit au nom de Jésus, l'Esprit a commencé à se manifester. Parce que ce nom-là, Jésus-Christ, je vous ai expliqué comment Jésus-Christ, dans la cour de Ponce Pilate déjà, son sang a commencé à ruisseler avec ses verges. Et Jésus est monté jusqu'au mont Golgotha, il est mort, et ressuscité qu'il est aujourd'hui, en son nom, donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Quitte sa vie. Tu vas partir dans le nom de Jésus. Tu pars. Et tu quittes sa vie. Tu m'attends? Tu quittes sa vie et maintenant, tu la libères. Prenez là le bout de délivrance, allez prier pour la mémé. Allez prier pour la mémé. Lâche-la. Tu restes là. Quitte sa vie. 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 Tu quittes sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une lutte entre le corps humain et l'esprit. Parce que l'esprit se voit en danger. Les démons sont plus à l'aise dans un corps humain. Voilà, ils sont plus à l'aise dans un corps humain. Tu vas quitter son corps. Tu vas quitter son corps. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je vous encourage à exercer le ministère de la délivrance. Ne pensez pas que c'est le prophète Crasso qui peut chasser. Il y aura ceux qui auront cru. Peut-être que dans un premier temps, le démon va peut-être résister parce qu'à cause de la peur, il y a des gens qui commencent, ils ont peur. Quand le démon dit, moi, tu veux me chasser, il fuit en même temps. Les démons vont vous intimider. Et ça, c'est clair. Moi, ça m'arrive où le démon dit, tu ne peux pas me chasser. Moi, est-ce que tu me moins? C'est un orgueilleux. C'est tout à fait normal qui te menace. Mais tu le fais à cause de Jésus, pas ta force. Nous avons le pouvoir et à cause de Jésus, ce nom-là, tu peux l'exercer chez toi à la maison. Il faut commencer. Quand tu sais que ton fils commence à avoir une crise, commence à prier pour lui. Il ne faut pas avoir peur. Ne permettez pas au diable de prendre le contrôle de la situation. Parce que souvent, le pire arrive parce qu'on a peur. Or, quand on est croyant, on a ce pouvoir dans le nom de Jésus de chasser les démons. Il faut commencer à l'exercer déjà dans ta maison. On peut venir en appui, nous les hommes de Dieu. Mais toi déjà à la maison, commence, délivre-le. Amen. Même ta femme possédée, délivre-la. C'est important. Amen. Tu peux dire à ton mari, on va prier. Qui va dire non, il ne prie pas. Commencez à prier. Et puis tu commences à parler, Seigneur, s'il y avait un esprit dans mon corps ou celui de mon mari, je chasse ce démon. Et que la maison soit libérée. Commencez à prier. Hein? Priez pour les enfants, priez pour vos couples. Parce qu'à un moment, les démons peuvent venir vous déranger. Regardez l'explication dans les aveux. Comment les esprits travaillent. On vient, on dérange un couple. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer. Tu vas partir de son corps. Tu vas partir de son corps. Tu vas partir de son corps. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche-la. 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 Lâche-la.
Si vous exercez le ministère de la délivrance, vous commencez à prier, chasser les démons, Dieu vous donnera cette onction. Ah oui. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru en Jésus, tu dois être à mesure de chasser un démon. C'est parce qu'on a peur, on a peur d'oser. Il faut oser. Parce que la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Souvent, on pense que c'est le prophète Crasso seulement. Sans lui, les choses ne peuvent pas se régler, mais c'est faux. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Tu as cette âme. La Bible dit que l'âme, les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est en toi la force de Dieu. Au nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la, au nom de Jésus. Lâche-la, au nom de Jésus. Tu pars maintenant. 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 Tu pars et maintenant dans le nom de Jésus. Parlez! Au nom de Jésus, tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. La puissance de Dieu. 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 Imaginez-vous, elle n'était pas délivrée. Elle se marie. Elle regarde le garçon. Elle voit Agouti. Elle va aller faire son grain. Elle a petit djumblé. Son grain et djumblé, c'est bon, un plagalien. Agouti est un peu décomposé là. Ça, on, même quand on voit un enfant, on dit petit pardon. C'est sérieux, vous allez devant là-bas. Comment tu es couché une femme, elle peut te voir en hérisson, elle te voit en goutti. Hein? C'est pour ça qu'il faut, il faut connaître celui avec qui tu vis. Ah, c'est important. Hein? Sinon, toi, tu retournes avec une mamie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu pars. L'esprit va partir, mais il est maintenant au niveau de son cours. Et tu te chasses, dans les minutes qui suivent, tu quittes son corps. Voilà. Pousse ton cri de défaite et tu pars. Tu m'entends? Tu pousses ton cri de défaite et tu quittes définitivement son corps. Va-t'en. Va. 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 Va-t'en. Va-t'en. Allez! Sors! Allez! Allez! Va. Va-t'en. 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 Ça dit qu'elle vivait avec un corps étranger. Un autre esprit vit en elle. Donc elle est sous le contrôle de cet esprit. Elle n'est plus maître d'elle-même. Ce qu'elle veut faire, c'est pas ce qu'elle fait. C'est l'esprit qui conduit sa volonté. Conduit. C'est sans dire posséder. Vous voyez une personne qui change du coup du jour au lendemain, ça veut dire qu'il y a un esprit qui rentre en cette personne. Nous, on a délivré beaucoup de gens qui avaient la folie ici. Il y avait une jeune fille, maintenant elle est caissière. C'est plus de 3 ans qu'elle a une maladie. Elle prend les gélules et puis elle se retrouve dans la rue après. On l'a envoyé à l'hôpital à Benjavi. Ici, quand elle est venue, c'était grave. Elle se mettait nue, elle insultait tout le monde. On l'a gardée pendant quelques jours et puis on allait chasser le démon qui est en elle. Elle est délivrée. D'ici, elle allait passer son concours. Elle est maintenant caissière. Et sa vidéo est là. Voilà. Elle est venue à crier, elle se mettait nuit. Moi-même insulté, je tape tout le monde. On est resté avec elle, on a prié pour elle. Elle a été délivrée. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant. Ce n'est pas une question de Crasso, c'est une question de Jésus. Il est vivant. Il se démontre encore par des signes de guérison et de délivrance. Va. Elle est délivrée. Lâche-toi. 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 Continue, elle est délivrée. Check en chemise. Glisse. Viens, viens. Viens. Viens, viens.
n'est pas raisonnable. Lâchez-le. 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 Libérez-le. Au nom de Jésus. Libérez-le. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère. Maintenant. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâchez son âme. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Lâchez-le. Lâchez-le. Au nom de Jésus. Tu vas le libérer. Libérez-le au nom de Jésus. Libérez-le. Voilà, libérez-le. 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 Si, libérez-le. Libérez sa vie. Au nom de Jésus. Vous le libérez maintenant même. Dans le nom de Jésus. Lâchez son âme. 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 Au nom de Jésus. Libérez sa vie. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance. Comment tu te sens? Où elle est? Ça va? Explique comme ça, je vais. Ça va? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Laisse-le. Attrape-le. Continue de l'attraper. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est sorti de toi? C'est ce que je veux savoir. Et c'est pas un feu qui est sorti de moi. C'est ma tour brûlée. Qu'est-ce qui est sorti de toi? Je veux savoir. C'est un esprit qui est sorti. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Viens. Elle n'a pas encore prêté sa main. Non. La puissance de Dieu. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Une église doit pratiquer la délivrance. Si on ne fait pas de délivrance dans une église, c'est qu'il y a problème. Tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu à quelqu'un qui est possédé. Nous venons dans le Seigneur tel que nous sommes. Dieu nous donne cette condition-là. Il nous donne cette capacité de croire qu'il est Seigneur, que c'est lui, Jésus-Christ, que le sauveur de l'humanité. C'est ce qui nous conduit dans la maison de Dieu. Mais arriver dans la maison de Dieu, il faut que l'Église nous débarrasse des démons. Si nous ne sommes pas débarrassés des démons, il sera difficile que nos vies changent. L'Église, il reprend ses mêmes bêtises. Parce qu'il n'est pas maître de sa volonté. C'est un esprit qui le contrôle. Je sens que par moments, ne condamnez pas les gens, ne faites pas les procès des gens. Moi, je préfère aider des gens que de les insulter. Si je vois que quelqu'un est mauvais, je prie pour lui, que le Seigneur l'éclaire et qu'il revienne dans la vérité. C'est ça, le chrétien. Tu constates que quelqu'un n'est pas dans la vérité, dans le chemin, il faut prier pour lui, pour que Jésus-Christ puisse l'éclairer. Parce qu'il dit, « Nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. » Personne ne convertit une personne. C'est Jésus-Christ qui appelle au salut. Et ça, il faudrait comprendre ça. C'est pour ça que moi, c'est difficile pour moi de critiquer. D'ailleurs, ce n'est pas mon devoir de critiquer quelqu'un. Non, ce n'est pas biblique. Si je pense que tu n'es pas dans la vérité, je prie pour toi pour que Dieu t'éclaire. Parce que c'est lui qui éclaire les gens. Il est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde, celui qui éclaire les gens. Donc, aider les gens que de faire leur procès, il faut les aider. Moi, il y a des gens qui disent, non, lui là, mon enfant ne va jamais changer. Je dis, mais en quoi tu sais? Tu ne sais rien, parce que Dieu est capable. Hein? Dieu est capable de transformer le cœur humain. On dit le cœur d'un être humain entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui change le cœur d'un être humain. Voilà. Déjà dans ta tête, tu dis que ton fils ne va pas changer. C'est ça que toi tu dis. Mais Dieu est capable de le transformer. On a vu des enfants qui ont fait un an avec nous, qui ont vécu la vie chrétienne. Mais si tu penses qu'il ne va pas changer, tu ne vas jamais l'aider à changer. Amen. Aidons les gens à connaître la roue du salut. À se mettre, à se convertir. La puissance de Dieu te transforme maintenant. La puissance de Dieu. Mon heure en temps d'arriver, je risque de rater mon avion. Franchement. À 16h, je dois, comme tu vois, beaucoup de sacrifices. L'envie de vous aider fait que j'oublie même mon voyage. Mais si on ne comprend pas.
puissance de Dieu. La puissance de Dieu. On va se tenir debout. Je vais vous confier le sujet. On va se tenir debout. Pour ceux qui sont dans les moments de jeûne, nous allons aborder, nous sommes bientôt 6 jours. Aujourd'hui, c'est le 15e jour de jeûne. N'est-ce pas? Il nous reste 6e jour. C'est le temps où nous devons demander, 6 jours plutôt, nous devons demander tous nos sujets. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, parce que le jeûne a fini, le 21 jours a fini le lundi, le 28. Donc, tout ce que vous voulez, mais précisément 6 sujets. Il ne faut pas aller prendre magasin du sujet, Seigneur, tu sais que 6 sujets. Amen. Il faut commencer à énumérer les 6 sujets. Nous verrons ça dimanche, pour ceux qui ont des sujets. Et ceux qui seront absents, laissez les sujets ici. Vous les garderez avec une copie et vous laissez les sujets ici. Nous allons prier pour ça samedi, nous allons reprier pour ça dimanche. Amen. Mais je crois que au fini de ce jeûne-là, vous allez avoir des grands miracles. Amen. Levez les mains, je vais prier pour vous. Levez les mains. Que la puissance de Dieu se manifeste. Donne un peu, donne-moi de l'huile là-bas. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Et puis que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'on est venu. D'accord? Salut. On ne me regarde pas avec. Il sera délivré. Il sera délivré. Hein? Lui là, on a besoin de lui ici pour travailler. Hein? Voilà, il faut beaucoup d'amour. Hein? Il faut seulement nous. Jésus te délivre ce matin. Jésus te délivre ce matin. Il est très possédé. Jésus te délivre ce matin. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Feu! La puissance de Dieu. La puissance. Elle a apporté beaucoup de choses. On a fait confiance aux gens en Europe. Ils ont gâté beaucoup de mes choses. Depuis qu'on l'a rencontrée, les choses sont mises en ordre. Et tout le monde en témoigne. Déjà de la manière dont elle gère le ministère au niveau de l'Europe et tout ça. Voilà, donc la première vague est venue. Elle est venue à peine d'arriver en train de travailler un peu. Voilà, un peu, elle est beaucoup bien en matière d'organisation. C'est un peu sa spécialité. Voilà. Donc aujourd'hui, je lui dois beaucoup de choses par rapport à ça. Parce que j'ai fait confiance aux gens. J'ai été beaucoup trahi. Voilà. Souvent, on fait confiance aux gens, puis on est déçu après. C'est ces mêmes gens qui se retournent contre vous demain. C'est ces mêmes choses. Mais ça fait un bon moment qu'elle gère un peu le ministère au niveau de l'Europe. Et les choses vont très bien. Voilà. Donc, je tenais à prier pour toi devant tout le monde. Mets-toi à genoux. Je t'ai légué ce pouvoir-là. Je dis désormais, tu as mon onction, tu as tout ce pouvoir-là en tant que celle qui doit gérer tout sur l'Europe. Lui, il est perdu. Il ne sait pas quand. Il ne sait pas où il se trouve. Il est perdu. Vous pouvez me permettre, on va essayer une semaine. Vous êtes d'accord ça? Ça va? Oui. Comment tu t'appelles? Pour moi, Daniel. Hein? Pour moi, Daniel. Qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux faire la comptabilité experte. Qu'est-ce que tu ressens? Rien de grave.
Il y a quoi? Qu'est-ce que tu vis? Au début, j'entendais des voix. Baisse les mains. Au début, j'entendais des voix. Quand j'ai entendu un moment, elle m'a pas. Tu attendais les voix? Oui. Les voix te disaient quoi? En fait, c'est comme, en fait, dans nos maisons, il y a des caméras. Des caméras? Oui. Les mystiques? Toi, tu les vois, les mamans, on ne voit pas les caméras. C'est qui mange, c'est ce qui fait grandir. Nos enfants, ils mangent gabas, comment ils vont grandir? J'ai trouvé que ce qu'ils disaient, c'était vrai. Après, elle-même était dessus. Elle m'a pas cru. Oui, mais c'est non. Glorieux, je crois que tu seras béni. Là où tu es béni, tu n'échapperas pas à cette vie.